Bonjour, mon nom est Montani Gilbert, un passionné de la cuisine. Bonjour, aujourd'hui on va faire des galettes de pommes de terre croustillantes. Knospreke Härtöpfelgalette. Und ganz einfach mit ein bisschen Gemüse und Speck. Ganz einfach. Und für das, wir brauchen, on a besoin, 4 tranches de lard. Lard fumé, demi-oignon, 3 pommes de terre, une courgette et du beurre. Un petit peu de beurre, 20 grammes de beurre environ. Alors, on va commencer par couper l'oignon. D'huile dans la poêle, un peu d'huile d'olive. Et hop là. Maintenant, on va couper le lard, encore le speck. Une ganz kleine julienne, hein? Une petite julienne. Ça, c'est du bon lard valaisan. Gros valaisan. Oberwalliser Speck. Wunderbar. Ça va dans la poêle. Zucchini. On enlève ton pelle un petit peu. Hein? Voilà. Et émincer. Je crois que ça suffit, hein. Une demi-zucchini, ça suffit, hein. Maintenant, on fait griller ça. Tu mets ça schön, schön anziehen. Salz, ein Pfeffer, ein Poivre, und on fait revenir, hein? Je vais prendre un peu de persil. Un petit peu pour l'œil, cacher finement. Et voilà. Il faut que les courgettes soient cuites. Hein? Also, zucchini, also, kochen sie. Hein? Et maintenant, je mets encore une petite pointe de piment d'Espelette. Un petit piment d'Espelette pour donner une petite force tranquille. Ganz feine Schale. Et voilà. Jetzt, wunderbar, jetzt ist das kochen, wir müssen die Feuer abstellen. Und das tun wir auf Zipfel. Und jetzt an den Côté, und jetzt reposer. Alors maintenant, on fait des pommes de terre, on fait des petites rondelles, mais toutes fines. Mais c'est beaucoup plus simple d'aller avec une mandoline. Et puis...
Maintenant, nous on fait ça à la main, très fin. Si vous n'avez pas de mandoline, ma foi, vous êtes obligé de faire comme ça. Hein? Also, wenn die kein Apparat haben, dann müsst ihr das von Hand machen. Aber das sollte ganz fein, regelmäßig. Hein? Ungefähr einen halben Millimeter pro Tranche. Hein? Et voilà. Hein? Maintenant, on met une noix de beurre avec un tout petit peu d'huile d'olive. Maintenant, ça sera partir maintenant à feu doux. Das muss also ganz feine Feuer sein. Muss nicht schwarz sein. Hein? Ganz fein. Und dann gehen wir auf die Seite, wenn der Butter ein bisschen schmolzen ist. Hein? Und dann tun wir nachher mit den kleinen Rondellen schaffen. Wir gehen in die Mitte und nachher machen wir das so ein Kreis. Dann kommt so eine petite Rondelle, on les met une après l'autre. Voilà, comme ça on fait une belle. Et puis on laisse prendre gentiment les pommes de terre. Hein? Et voilà. Maintenant ça, on les met entier comme ça. Ganz wenig Salz, ein bisschen. Ein peu de poivre. Et puis maintenant, on va mettre notre petite face qu'on a fait avec des légumes, on va la mettre par-dessus. Change the tape. Et ça, on met bien un peu à gauche, à droite, sans casser la rosace. Hein? On les rosaces kaputt zu machen. Voilà, un peu d'aufdrücken. Das tun wir mit der Schmore. En même temps, on va continuer à faire les petites rosaces. Il faut juste un petit fond pour maintenir là. Et puis, on referme avec une seconde rosace par-dessus la première. Amore, ça c'est la glace. Et voilà, de nouveau un petit peu de sel. Et du poivre. Und jetzt ganz langsam la schmore. Bien laisser gentiment, on va laisser griller gentiment ces pommes de terre qui tiennent ensemble, puis gentiment. Jusqu'à ce qu'ils viennent légèrement brun d'un côté, et puis après, on va les retourner. Et voilà, maintenant, c'est devenu bien croustillant dessous. Parfait, c'est schön krustig on dedra. Maintenant, on va mettre une assiette par-dessus. Et retourner. Et voilà. Oh, regardez-moi ça. Et maintenant, on va griller l'autre côté.
four, 10 minutes à basse température, légèrement grillé jusqu'à sa verserie. When the moon hits your eye like a pie or potato, that's amore. If you cook like I do and you look how I do, that's big amore. Et voilà, nos galettes et les rôtis des deux côtés. Untere, Kartoffelgalette, ich beide Seite. Also, da, et hoppla! Wunderbar, oh, look at das. Ecco lì, oben drauf, ich mette. Et voilà, notre galette. De pommes de terre aux courgettes. Je me laisse essayer. Et voilà, maintenant on va déguster ce bonheur. Ganz einfaches Gericht. Ganz einfaches machen, so gut. Oh. Schön. Wow. Wow. À l'intérieur, vous sentez ce petit lardon, ces oignons, ces courgettes émincées, ce petit piment d'Espelette qui donne juste une petite force tranquille. Et puis ces pommes croustillantes des deux côtés. Ah, regardez-moi ça. Farcie à l'intérieur. Wow. Que du bonheur. Alors, mes chers amis, n'oubliez pas. Clic, 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 clic. Les abonnez et partagez ce beau petit plat. Facile à faire, très économique. Pour un dimanche soir, pourquoi pas. Alors, mes chers amis, ich sage pas au Peter. Merci et des aimes. C'est rudement bon. Ouf. C'est fort.